Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on est toujours sous Maya avec le plugin Phoenix FD. On va montrer comment l'utiliser pour faire des explosions de type Blast Explosion qu'on trouve dans les films d'action, le type d'explosion qu'on utilise par rapport aux roquettes qui viennent sur le sol exploser. On est toujours avec nos techniques Fast and Furious. On utilise la méthode RES, rapidité, efficacité, simplicité pour des résultats optimaux. Je vous laisse tout de suite avec ce qui a été réalisé par la team et on se retrouve tout de suite après. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, rejoignez-nous, abonnez-vous, faites-vous plaisir en regardant nos vidéos, tutos, ainsi que les VFX Coffee sur tous les sujets que nous avons traités. Allez faire un petit tour sur notre chaîne, vous ne serez sûrement pas déçus. Ok, donc on est dans notre scène, on se met tout de suite dans les settings préférences en mode maître, très important, on sauvegarde, et là on aura un meilleur résultat par rapport à nos flux. Donc on va aller dans FX. Utiliser les N particles pour commencer, Create émetteur, on le met en blast, en particule blast. On le laisse comme ça, on fait Create. On est bien sûr en émetteur type directionnel, on utilise Nucleus, on le met en use plane, juste pour avoir un petit plane, ce sera sympa. On va rajouter un maximum de particules, c'est-à-dire 10 000 pour l'instant. On va mettre en direction X0. On va changer l'axe, mettre direction Y en 1, speed en 1. Le max distance pour l'instant, on le laisse comme ça. On va rajouter du speed. Vous allez juste voir ce que ça peut donner. Donc comme là, on est en système mètre d'unité par mesure. Donc forcément, on va devoir augmenter le speed car ce n'est pas de la même puissance forcément si on est en centimètres ou en mètres. Donc là, on va rajouter et mettre à 1000. En speed et en speed random à 200, on va mettre un petit max distance à 1, et là vous voyez que tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus important. On va aller dans N particules pour le lifepan en random range, comme d'habitude, lifepan à 0,5 et le lifepan random à 0,4. On va faire une petite animation, donc on va à frame 1, on met une clé d'animation pour le rate particule et on avance de 2 frames et on met à 0. Et à ce moment-là, on a une petite animation d'explosion. Forcément, nos particules disparaissent. C'est ce qui va permettre de créer cette explosion. Donc, on va aller ajouter un petit volume axis pour nous aider, qu'on va appeler Blast Help, qu'on va mettre en mode cylindre, et on va l'agrandir ici parce que vu qu'on est en mètres, forcément, on a besoin de l'agrandir. On met un petit plane, ce qui va nous permettre après pour le rendu à la fin d'avoir une meilleure visualisation. On va aller dans Volume Speed Attribute, Away from Axis. Pour l'instant, on va voir ce que ça va donner avec justement le Field Solver qui va nous aider. On va aller dans Along Axis, on le met en 1. Turbulence, on met 10. Turbulence speed, on met 0,5. On va aller dans Away from Axis et le mettre à moins 1. On va réduire un petit peu le speed de nos particules. Et l'helper, c'est-à-dire le field solver, va permettre de créer une petite distorsion, une petite turbulence dans nos particules pour qu'ils aient un mouvement moins rectiligne. Et là, on va aller dans Nucleus, augmenter la gravité à 1500, et vous voyez que là, tout de suite, on a quelque chose d'un peu plus pesant, si je puis dire, dans l'univers, le monde dans lequel on est sous Maya, et ça va permettre d'apporter un certain réalisme lorsqu'on va créer cette explosion avec Phoenix FD. Donc, on va sur Phoenix FD, on va créer un nouveau simulateur. On va aller dans le grid, on va juste l'arranger un petit peu. On va l'agrandir un petit peu pour que ça corresponde à nos particules.
On met en mètres, bien sûr, l'unité de mesure. En scale, on met à 20. En cell size, pour l'instant, on le laisse à 0,1. On peut ajuster tranquillement notre grid, mais ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'on aura l'adaptive grid. On va aller dans container, on met en Y jammed négative. On met une Phoenix source, un Fire source. On va dans Edit Object Set, on le met bien sûr avec nos particules. On sélectionne un discharge à 20. On désactive température et smoke et on active le fuel. Donc on repart, on met en adaptive grid, en température liquide et on met à la valeur de 600 dans le threshold. En dynamique maintenant, on va augmenter le timescale à 1,5, le cooling à 0,3, smoke dissipation à 0,1, smoke buoyancy à 0,1. On va augmenter le large scale à 1, mettre la méthode PCG symétrique et la qualité à 80. On désactive l'uniforme density et on réduit le step par frame à 1. On va aller dans Fuel, on va activer justement le burning. On va réduire la valeur d'ignition température à 290, augmenter l'énergie à 15, le fuel depletion à 5, le smoke amount à 0,2, le smoke threshold à 1 et la propagation, on le laisse à 10. Donc on va réduire un petit peu la valeur de cell size, ou plutôt augmenter justement cette valeur. Quand on réduit comme ça augmente justement la résolution à 0,07 et on lance une petite simulation et on revient tout de suite après. Donc voilà ce qu'on a avec notre simulation. On a quelque chose de plutôt sympathique. On va mettre juste un verre rendu, je mets en mode CUDA, c'est-à-dire GPU render. Je mets la valeur de 8 en mine subdivision et là je lance un petit IPR pour avoir un petit aperçu de notre explosion. Et je trouve que déjà on a quand même quelque chose de vachement sympa. Donc on va améliorer tout ça, bien sûr. On n'oublie pas de cocher Fuel dans Voxel Preview et dans Output de cocher la case Fuel justement pour nos Fuel. On va réduire un petit peu le cell size à 0,05, plutôt 0,04. On va refaire un petit simulation et on revient tout de suite. Voilà, on a notre simulation. Quelque chose justement de très sympa et on voit qu'on a une très belle combustion. On va modifier bien sûr pour améliorer encore notre rendu. On met en Fire Opacity Mode Use Smoke Opacity. On va augmenter la valeur du Fire Multiplier à 5. On va modifier cette courbe pour avoir des variations de luminosité pour notre feu. Donc on va créer des vagues avec les points, ce qui va nous permettre justement d'avoir une variation de couleur dans notre luminosité, dans notre feu de notre explosion. Donc une fois que ça a été fait, on va aller dans Smoke Opacity, on va augmenter la valeur à 0,6, on va aller entre 0,6 et 0,5, c'est-à-dire on va laisser entre 0,550. On va réduire un petit peu à 0,25 et on fait une petite simulation et on voit ce que ça donne. Donc voici le résultat de notre dernière simulation, où voici, on obtient quelque chose de vraiment époustouflant. Vous avez vu avec une technique RES, rapidité, efficacité, simplicité pour des résultats optimaux. Maintenant, on va ajouter juste une petite SkyDome avec une petite HDRI pour faire un petit rendu, voir ce que ça peut donner. On va rajouter un petit shader Vray MTL où on va changer la couleur du ground, du sol en un peu plus sablé. Car j'ai pris une HDRI qui se trouve dans le désert à peu près, un peu une route désertique plutôt. Donc vous allez le voir, je vais vous montrer quelques petits tips quand même pour à chaque fois essayer d'améliorer le rendu de notre explosion de
la couleur de de notre feu, bien sûr, car c'est très important d'avoir quelque chose de sympa. Donc on va réduire le step à 50 pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. On va aller dans sampler type. Comme vous allez le voir, on a plusieurs modes. On a le linéaire. Donc le linéaire, vous allez le voir, on va faire plusieurs exemples pour faire des comparaisons, car il se peut que des fois en mode linéaire, on ait des résultats qui ne soient pas assez jolis et assez corrects, ou on a des artefacts, des petits soucis dans notre rendu. Donc des fois, il faut faire la différence entre linéaire et sphérical, comme on le verra tout de suite. Donc je vais mettre le premier en linéaire et le deuxième rendu que vous allez voir tout de suite en mode sphérical. Et vous allez voir qu'on va faire une petite comparaison dans deux façons. Car deux façons, pourquoi je dis deux façons? Tout simplement car là on est vers la fin de notre explosion. La combustion a déjà bien été entamée, mais elle continue. Et vous voyez que là, sur le mode linéaire, on a une meilleure combustion. Et sur le mode sphérical, on a une combustion qui disparaît plus vite. Donc ne vous inquiétez pas pour le noise, c'était parce que j'avais pas trop laissé l'image rendre. Mais comme je disais, là, on avait deux façons. Là, on va aller au début de notre combustion, où on a vraiment le feu qui est, si je peux me permettre, pétant, où on le voit vraiment prendre place. Donc c'est là où des fois on peut avoir des artefacts vraiment visibles. Et quand on applique les deux, vous voyez qu'il y a une légère différence. Le premier, c'est en mode linéaire ici. Et le deuxième, là, c'est en mode sphérical. Vous voyez qu'on a une légère réduction de la combustion. Et ça vous permet de faire des comparaisons et pouvoir apporter un résultat optimal, époustouflant à vos explosions. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, ici, pour terminer, je vais ajouter une petite color correction de ma smoke pour l'assombrir, l'ajuster à notre environnement. En tout cas, c'était pour montrer une technique rapide, simple à mettre en place pour obtenir des explosions de type blast explosion, comme on le disait au début du tuto. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Instagram, abonnez-vous à la chaîne, on essaye d'apporter à chaque fois du nouveau contenu avec des améliorations, de nouvelles techniques faciles à mettre en place et rapides. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!